5 raisons de parier sur l'avenir de la RDC. S'apprête maintenant à me rejoindre sur scène pour une interview surprise, une véritable encyclopédie vivante, un amoureux et passionné de l'Afrique, une inspiration et surtout un repère pour plusieurs d'entre nous, jeunesse du continent. Connu pour son franc-parler, c'est un journaliste et producteur camerounais à l'origine de plusieurs émissions à succès et à impact, et plus récemment, producteur de la très populaire émission Sans langue de bois, la chronique d'Alain Focas. Vous l'avez deviné, mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour monsieur Alain Focas. Merci, la petite sœur. Merci. Bonjour et merci de nous recevoir pour la énième fois dans ce forum qui est devenu un rendez-vous incontournable de l'économie africaine. Et j'ai eu la tâche, la lourde tâche obligatoire imposée par Nicole, d'avoir à interviewer quelqu'un qui est une référence, un ami, un frère, mais surtout un panafricaniste. Je voudrais saluer dans la salle la présence de mon grand frère Akeremona. Merci d'être là. Je vous demande d'accueillir avec tout le respect, toute la grandeur qu'il mérite, quelqu'un qu'on ne présente pas, puisque je ne vais pas lui faire l'affront de le présenter au Congo. Voici pour vous l'ancien directeur de cabinet, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien, le président de l'UNC, mais surtout le panafricaniste Vital Kamerhe, s'il vous plaît. Alors, on a dit que ce devait être une interview. Je ne sais pas si tu préfères la faire debout ou assis. On va la faire assis, alors. On a dit sans langue de bois. Je te remets le micro. Depuis ce matin, dans cette salle, on ne parle que du Congo, de territoires, 145 territoires. Les gens sur plusieurs médias regardent en se disant, c'est quoi cette histoire des 145 territoires? Qu'est-ce qu'ils nous vendent encore alors que ce pays est malade, traverse l'une des crises sécuritaires les plus graves de son histoire et est censé être le pays solution? Or, on a plutôt l'impression que c'est le pays problème. Je veux commencer avant d'arriver au territoire en posant la question de savoir, Vital Kamerhe, vous qui avez été dans les rouages du pouvoir congolais pendant tant d'années, le Congo c'est un problème ou c'est une solution, véritablement? Puisque c'est le pays, le continent se développera que lorsque le Congo se réveillera, compte tenu de sa taille, compte tenu de sa richesse et compte tenu du fait, comme le disait Frantz Fanon, qu'il est le revolver, la gâchette du revolver qu'est l'Afrique. Pays problème ou pays solution, Vital Kamerhe? Merci, M. Alain Focas. Je remercie aussi Nicole et l'ensemble de son staff de m'avoir fait l'honneur de participer à cet exercice intellectuel où j'ai vu défiler des intervenants de haute facture, le Premier ministre, le ministre du Plan, pour ne citer que cela. J'ai beaucoup apprécié. Le Congo, c'est un paradoxe. Et le problème à résoudre, justement, quand je parle d'un paradoxe, c'est au fait plusieurs paradoxes. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, se trouve au cœur de l'Afrique. Et comme l'a si bien dit Frantz Fanon, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Quand il le disait, il ne pensait pas que c'était pour agresser, tuer et marcher sur les plates-bandes des autres pays. Quand il le disait, c'était pour dire que le Congo incarne l'espoir du développement de l'Afrique.
Lumumba, Kwame Nkrumah, Mandela, ils sont nombreux, Modibo Keïta, ils ne se sont pas trompés. L'Afrique reste encore la destination du monde aujourd'hui. L'Afrique, pour plusieurs raisons, c'est une île, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Nous avons à l'ouest l'océan Atlantique, au nord la mer Méditerranée, et de l'autre côté, à l'est, l'océan Indien, et aussi les deux océans se rencontrent. Le seul point du monde où l'océan Atlantique et l'océan Indien se développent. Mais qu'est-ce qui se passe? La République démocratique du Congo retarde effectivement le développement de l'Afrique, mais ça ne saurait dire. Quand on a des projets, et je dois être honnête intellectuellement, le programme de 145 territoires sous toutes ses formes, que ce soit les volets que le ministre du Plan vient de nous présenter maintenant, que ce soit l'aperçu général que le Premier ministre a fait, ou encore parce que nous lisons et nous suivons les côtés agricoles avec 145 territoires suivis des transformations agricoles, nous disons que le Congo, c'est un éléphant couché. Et le jour, il va s'élever avec 9 voisins. Je vous mets au défi de me citer un pays africain qui a 9 voisins. Oui, mais dans le même temps, quand on regarde, ça fait plus de 60 ans que cet éléphant est couché. Et on a le sentiment que les petits voisins, les 9 voisins, sont même un facteur supplémentaire pour qu'ils ne soient pas en paix. On se dit, on est fatigué d'attendre. Celui qui est à Béni, celui qui est dans le Rutshuru, se dit, c'est bien gentil de dire ça à Kinshasa, mais quand est-ce que ça se matérialise concrètement? Quand est-ce que on va cesser d'attendre qu'on soit l'espoir pour devenir la réalité dans ce pays? Non, la République démocratique du Congo, j'ai dit et je persiste, c'est l'espoir de l'humanité. Vous dites qu'on a attendu 60 ans. Mais et plus d'ailleurs. Attendez, je vais vous rappeler un exemple qui a fini par étonner le monde. La Chine a attendu combien d'années? La révolution culturelle de Mao Zedong, c'est depuis 1949, n'est-ce pas? Et puis nous avons envoyé Deng Xiaoping. Et puis aujourd'hui, vous savez qu'à l'époque, quand on voulait parler de tout ce qui ne marche pas, quand on a fabriqué une voiture ou une montre, on parlait de chinoiserie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut oser encore se moquer de la Chine? La République démocratique du Congo deviendra la Chine de l'Afrique. On a envie de vivre maintenant parce que... Et je vais vous le démontrer, M. Alain Foucault, si vous ne me coupez pas. Aujourd'hui, le monde est confronté à plusieurs défis majeurs. Parlons du changement climatique. Nous sommes quand même le deuxième poumon de l'humanité. Mais qu'est-ce que la République démocratique du Congo reçoit en contrepartie? Zéro. Je ne dis pas que c'est la faute aux autres. Nous devons élaborer des politiques pour que cet oxygène que nous donnons gratuitement aux gens qui polluent l'atmosphère et qu'on nous demande de ne pas couper nos forêts, en même temps, nous n'avons pas des énergies alternatives pour nos milliers ruraux, il faut qu'il y ait des compensations. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, quand vous parlez de la faim dans le monde, 1 milliard d'individus, déficit alimentaire mondial. Mais en même temps, quand je regarde le Tchad, la République Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, Sao Tomé-Principe, Guinée-Bissau, Guinée-Équatoriale, le Gabon, à eux seuls, je ne parle pas encore de la République démocratique du Congo, ça fait 82,998 millions de terres arables. Mais la République démocratique du Congo, elle seule, c'est 80 millions de terres arables. Attention. Et là, nous devons orienter nos étudiants et le public, plus 40 millions de terres irrigables. Ça fait 120 millions de terres cultivables. Exactement à quelques différences près, la surface cultivable de la Chine. Donc, la RDC, selon les études pas faites par nous, par l'Institut français des recherches agricoles, par la FAO, nous sommes en mesure de résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial. Maintenant, je peux aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons 53% de toutes les eaux d'Afrique. Mais en même temps, nous sommes encastrés entre deux déserts.
le désert du Sahara qui descend, le désert de Kahari qui monte. Donc aujourd'hui, si on nous fait la guerre à cause des minéraux, je doute fort qu'à l'horizon 2050 ou avant, on nous fasse de la guerre à cause de l'eau. Nous disons aujourd'hui, le Congo a 13% de toutes les eaux douces du monde. Il faut citer d'autres pays, à part le Canada, la Chine et les États-Unis. Nous disons aujourd'hui, le Congo, tous les tableaux de Mendeleev, cités par hasard, vous trouvez 90% dans ce pays. Mais on peut se poser la question. Avec les grands Inga, qui a été au fait et qui reste les piliers de l'industrialisation de l'Afrique, et qui est capable de donner l'électricité même à l'Europe de midi, même dans une partie de l'Asie du Sud-Est. Mais pourquoi, et je suis étonné que jusque-là, on n'a pas eu de coupure d'électricité, peut-être qu'il y a le démarrage automatique du groupe électrogène. Je t'ai dit que nous sommes un paradoxe, justement. Justement. On meurt de faim. Maintenant, que faire? C'est là la question. C'est-à-dire, une fois qu'on a dressé ce tableau, qui est responsable? Est-ce une question de leadership? Qu'est-ce qu'on change dans l'immédiat? Non, c'est-à-dire, ce qui a tué le Congo, c'est justement de dire, moi je suis bon, l'autre est mauvais. Il n'y a pas des anges d'un côté et des diables de l'autre. Nous sommes tous collectivement responsables, je n'ai pas de leader. Puisque la population, elle, elle est prête à travailler. Il suffit de tracer les cadres, donner les moyens et ils vont suivre. Et quand vous me parlez des 145 territoires, moi j'ai dit, je crois, en dehors de l'époque du président Maréchal Mobutu, on a eu des plans solides. Ces plans touchent tous les coins de la République démocratique du Congo. Et je suppose qu'en dessous des territoires, on doit penser aux autres entités décentralisées, les secteurs, les chefferies. Puisque le ministre d'État du Plan a dit que cette fois-ci, on va inverser les choses. Nous devons partir de la base vers le sommet. Je l'ai suivi attentivement, mais il me semble qu'au niveau des structures de gestion, on doit faire attention. On ne peut pas demander aux gouverneurs des provinces, qui sont des véritables chefs de gouvernement provinciaux, d'être des simples accompagnateurs. Non. Justement, pour que vous ayez les résultats, les gouverneurs de provinces doivent avoir des assignations claires. Ils ont des assemblées provinciales qui vont assurer le suivi, parce qu'au niveau du territoire, malheureusement, ce sont des services déconcentrés qui ne répondent à aucune assemblée. C'est très dangereux. Donc il y a des petites corrections à faire ou compléments pour être sûr que les responsables de l'échec seront bien identifiés. Il y aura compétition entre provinces. Et il faut donner les moyens qu'il faut à chaque province de façon équitable. Quand on dit équitable, ça ne veut pas dire de façon égale. Il y a des provinces qui sont relativement prospères par rapport à d'autres, mais il y a des provinces qui manquent jusqu'à une petite école pour que les enfants étudient. Maintenant, que faire? Nous devons nous remettre d'abord en question et nous devons savoir qu'il n'y a pas de développement sans culture. Et j'ai comme l'impression, quand on dit aujourd'hui, Madame Nicole Soulou choisissait entre être nommée ministre des Finances ou ministre des Cultures et Arts, elle risque de dire, non, moi je vais le ministère des Finances. A raison. Pourquoi? Ça va de soi. Non. La culture est la mère des sciences. Nous, Africains, nous devons d'abord recouvrir notre identité. Parce que le problème que nous avons... Tous les pays africains ont au même moment les regards tournés vers la Chine pour résoudre leurs problèmes, vers l'Europe, vers les États-Unis. Et nous nous retrouvons en économie, malheureusement, dans une situation où chaque fois que nous traitons avec la Chine ou avec l'Europe ou avec les États-Unis, collectivement, sans nous concerter, nous sommes dans une situation de monopole de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique, de la Chine vis-à-vis de l'Afrique, et des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique. Donc c'est comme si l'Afrique n'avait rien à donner alors que nous sommes le premier réservoir aujourd'hui de matières premières. Non transformées, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui empêche, comme je l'avais si bien suivi ici, j'ai oublié l'intervenant, que les responsables africains se concertent.
et qu'ils appliquent la loi élémentaire des avantages comparatifs. Pour, au lieu de se mener une concurrence aveugle, le Congo-Brazzaville produit des maniocs, le Congo-Kinshasa augmente aussi la quantité de maniocs, mais il faut étudier entre les deux pays lequel peut produire ces maniocs au moindre coût pour laisser à l'autre le produit du riz. Et pour que cela marche, mais il faut qu'il y ait des communications entre nous. Aujourd'hui, je vous mets au défi pour quitter Nouakchott pour venir à Kinshasa, il faut transiter par l'Europe. Clairement. Je vous mettrai 2 jours. Clairement. Alors, moi, je pense que nous, les Africains, nous devons cesser de pleurer comme des petits enfants, alors que nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions démarrer. Nous avons notre destin en main, mais en même temps, dans un pays comme le Congo, qui est vaste, qui est, comme vous le dites, et on le répète, le pays solution, peut-on envisager un développement, ne serait-ce que la mise en œuvre efficiente de ces 145 territoires sans la sécurité, sans la paix? Lorsque l'on parle du Congo, on ne parle que des guerres, malheureusement. L'Est du Congo, avec tout ce que cela comporte. Pendant qu'on parle, il y a encore des affrontements depuis ce matin, encore. Est-ce que c'est envisageable de penser au développement pendant que cette région est en guerre et pendant qu'on sait que, tant qu'elle n'est pas résolue cette guerre, le Congo sera fragilisé? Vous savez, on a souvent été mal compris ou compris malheureusement en retard. L'intelligence, la sagesse, je ne parlais pas de la rise, la capacité à diplomatique, les médias constituent des armes plus sophistiquées que les missiles. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous avons bien vendu le Congo? Est-ce que, dès l'intérêt du Congo, nous avons créé un climat de nature à attirer les investisseurs extérieurs, parce que nous devons commencer d'abord par l'intégration nationale? Est-ce qu'aujourd'hui, Mbujima il peut commercer avec Gemena? Vous passerez par où? Est-ce qu'aujourd'hui, Gemena peut commercer avec Bukavu, alors que vous avez un boulevard qui traverse ce pays de plus de 4000 km qu'on appelle le fleuve Congo, qui n'est pas balisé totalement et qui n'est pas régulièrement entretenu? Nous avons plus de 22 grandes rivières qui sont des affluents du fleuve Congo. Nous avons 76 000 villages qui ont des cours d'eau capables, non seulement de donner de l'eau aux populations locales, mais donner de l'énergie pour la transformation de la production locale. Mais le problème, il se situe où? Est-ce que vous pensez réellement que nous serons naïfs de croire que cette guerre de la République démocratique du Congo, l'M23, on nous a dit qu'il a une capacité supérieure à celle de l'armée planétaire, puisqu'il s'agit des Nations Unies? Ça me fait rire, en même temps, ça m'inquiète. Ça signifie, comme on dit en Lingala, quand on voit un poussin remplir une casserole, c'est que sa maman se cache en dessous. Nous devons réfléchir. Est-ce que nous limitons seulement nos pays voisins ou nous cherchons à dire la vérité à tout le monde? Parce que tout le monde sait que le coltan, la capitale du coltan, c'est Walikale. Tout le monde sait que ce coltan prend la direction des industries en Occident pour soit les avions, soit les téléphones portables. Le lithium du Congo, quand on parle aujourd'hui de la voiture électrique en 2030. Mais on pense à quoi d'après vous? On pense au lithium du Congo. Quand on parle du cobalt du Congo, donc nous sommes quand même malheureux de constater que nous ayons tout cela et nous nous posons la question de savoir chaque fois que devons-nous faire pour que tout le monde comprenne qu'il vaut mieux traiter avec nous directement dans un esprit gagnant-gagnant puisque nous n'avons jamais fermé la porte à personne, et que les populations congolaises sont fatiguées de pleurer leur mort chaque jour. Et pour cela, parce que nous avons dit, et en quittant chez moi, j'avais juré de ne pas faire la politique dans cette salle, il y aura une autre occasion pour le faire, mais les solutions existent effectivement. Il y a plusieurs options, mais parmi les options qu'il faut choisir, c'est toujours les rapports de force et rebondir sur celle où vous pensez
que tout le monde peut vous donner raison et que vous pouvez écraser l'ennemi. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la propension de la plupart des cadres congolais de toujours rejeter la faute sur les autres, pour qu'un pays de cette taille-là soit malmené par ses voisins aussi petits, de taille géographique, de superficie, il faut qu'il y ait une responsabilité, une faiblesse à l'intérieur. Est-ce que vous n'avez pas plus passé du temps à vous diviser, à vous faire la guerre pour des intérêts personnels qu'à penser à l'intérêt du pays, le premier intérêt qui est celui du pays? Parce que vous avez beau vous dire 80 millions, sinon plus d'habitants, déstabilisés par des États de moins de 3 millions d'habitants, ça a quelque chose d'incongru, vous conviendrez avec moi. Vous avez oublié d'ajouter ou de souligner que nous avons 2 345 000. Il ne faut pas oublier les 407, puisqu'on a tendance à effacer les 407 km². Et en même temps, quand on prend le Rwanda et le Burundi, ils entrent en République démocratique du Congo 64 fois. La Belgique, 80 fois. Le Congo est aussi grand que l'Europe, l'Union européenne. Et avec tout ça, je suis d'accord avec vous qu'il y a des défaillances internes et que nous ne devons pas tout le temps dire que donc, nous avons échoué à cause des autres. Non, nous devons justement enlever tous les obstacles sur notre chemin pour réussir. Puisque nous avons eu la transition 1+4 depuis près de 20 ans maintenant, exactement. Mais qu'est-ce qui nous a empêché en même temps de monter petit à petit une armée républicaine, une armée efficace, pas en nombre, équipée, bien prise en charge, avec des jeunes qui sont prêts à défendre la patrie? Qu'est-ce qui nous a empêché en même temps d'avoir une justice distributive? Qu'est-ce qui nous a empêché de remettre notre administration publique au niveau où elle s'est trouvée ne fût-ce qu'en 1980? Qu'est-ce qui nous a empêché d'avoir une police nationale où quand vous croisez un policier le soir, vous ne vous cachez pas, vous sentez que vous êtes en sécurité? Qu'est-ce qui nous a empêché d'avoir et d'imposer, pas imposer, mais de proposer aux 9 voisins une coopération régionale où nous avons des intérêts communs et de transformer nos voisins et réciproquement en un rideau sécuritaire pour nous? Puisque si nous sommes en bon terme avec l'Angola, mais pour atteindre Mwanda, Matadi, il faut d'abord passer par l'Angola. Mais alors, est-ce que vraiment nous ne pouvons pas comprendre qu'avec 9 voisins, il ne nous reste plus que la petite entrée sur l'océan que nous devons garder? Dans un premier temps, je crois qu'on doit le faire. Et puis, en même temps, on ne dort pas. On est en train de mettre en place une vraie armée républicaine. Je reviens de l'Est du Congo. Les jeunes sont prêts à répondre à l'appel du gouvernement pour entrer au gouvernement. Mais une armée républicaine, ce coup-là, pas absolument, une... il faut prendre des dispositions, il y a des standards. Il ne faut pas faire du rassemblage et croire que, ou mixage, que vous allez avoir une armée redoutable à ce moment-là. Non, il y a des failles. Il y a des failles aussi au niveau de la rhétorique politique. Nous, les politiciens, nous avons fatigué le peuple congolais. Les réseaux sociaux, il y a des fois où je me demande si ils n'appartiennent pas carrément à 80% à la République démocratique du Congo. Mais si c'était pour discuter des thèmes, qu'est-ce que je nous suis en train de me faire bousculer de l'autre côté, okay. Parce qu'ils veulent que l'on arrête, mais on continuera cette discussion. Moi, je n'ai pas de problème d'arrêter, mais je voulais terminer et rebondir si c'est ce que vous avez dit. Nous nous détestons nous-mêmes. Je crois que nous devons créer une véritable union sacrée des intelligences congolaise. Et ceci est valable au niveau africain. L'Afrique doit aimer l'Afrique et aller dans les combats de la mondialisation en prenant rendez-vous avec son histoire, comme l'a fait l'Asie, l'Amérique latine. Nous sommes les derniers à saisir la chance pour aller au rendez-vous avec notre propre histoire et nous en sortirons. La RDC reste le pays pivot et sa vocation, c'est d'être la locomotive de l'Afrique. Merci beaucoup. Vital Kamerhe. Merci. Thank you so much, Mr. Kamerhe. Thank you, Mr. Foka. Avant de vous redonner la parole, merci beaucoup, monsieur. Ah, merci.